Depuis, ça fait à peu près 5 ans qu'on a mis en route les premiers génomiques. J'en suis particulièrement enchanté vu les résultats. On avait commencé à utiliser les taureaux génomiques dès le départ en 2009 au moment de la crise du lait, parce qu'on voulait vraiment avoir des taureaux à des prix intéressants. Bah aujourd'hui, la part se situe autour des 90%, je pense. L'année dernière, ça se situe autour de 80%, cette année, 90%. Bah aujourd'hui, on utilise à peu près 90% de génomique, 40% en pack. On pense aussi que la génomique, ça nous apporterait une génétique moderne, récente, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser des taureaux très très récents dans l'élevage. Et puis, quand on voit aujourd'hui le résultat, les bêtes, tout ce qu'on a comme génisse et les animaux qui sont à la traite, on ne peut être que satisfait. Ça a vraiment répondu à nos attentes, des vaches qui vont bien dans les logettes, bien sur les calibotis, avec des super mamelles agréables à traire. Pour moi, le critère santé, surtout au niveau des puits, pour moi ici, c'est ce qu'il y a de primordial, quoi. Au niveau de production aujourd'hui, je suis arrivé aujourd'hui à un niveau de 11 500 litres en moyenne sur le troupeau. Et les génisses, on arrive à atteindre des niveaux de production à 11 500, voire 12 000 sur les génisses. Vu les résultats depuis ces dernières années, je vais continuer dans ce sens-là, en utilisant toujours la même proportion de génomique, hein, c'est-à-dire autour des 80-90%, en privilégiant surtout, comme je vous ai toujours dit, les membres. Récemment, lors du pointage, avec le gars de l'UPRA, on s'est aperçu quand même que les genisses, depuis l'année dernière, on avait pris un point au niveau pointage moyen de nos genisses. Donc, c'est vraiment des vaches qui sont agréables à regarder et qui vont bien dans notre système. Parce que moi, je suis quand même plus producteur laitier que producteur de concours, on va dire. Donc, moi, mon souhait, c'est quand même de faire le plus de lait possible par vache. Donc pour l'instant, c'est ce qui se passe avec les génisses issues des premiers génomiques. Donc je vais toujours continuer dans ce sens-là. Donc on gère un troupeau, on veut donner certaines orientations. Donc la génomique nous convient bien, ça tourne vite, ça change, on a vraiment une variabilité génétique intéressante. Donc on continue là-dedans et les premiers résultats nous ont pleinement satisfaits, donc on ne voit pas pourquoi on changerait. C'est vraiment une gestion d'ensemble, d'un troupeau, d'un lot. Notre vocation première, c'est d'être producteur de lait, c'est pas d'être producteur de vaches. Donc pour nous, c'est les bonnes vaches faciles qui vont vivre facilement, qui vont pas nous embêter et qui vont être efficaces dans notre troupeau.